Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, papa? Salut! Oh, c'est rouge! C'est rouge longtemps? C'est pas vraiment ça que je voulais faire. C'est juste que j'avais vraiment les lèvres secs. Puis mon clarin, c'était dans l'auto. Mais ça va être des belles babines pareil. Ouh, hello! Pour vrai, je les adore. Les cover girls comme ça, là. Mon ami m'a fait acheter ça. Le pêche, là, je le porte souvent. La seule chose qui est étonnante, ben, ça me fait ça des fois avec les clarins, là. Ça me fait ça pas mal avec tout. J'ai comme une ligne blanche, genre, qui se crée, là, comme... Je sais pas si c'est genre comme le produit, puis comme la texture, puis comme... Tu sais, plus que je parle, tu sais, mes lèvres se collent ensemble, mélangées, genre, avec ma salive. Je sais pas. Mais j'ai tout le temps un petit résidu blanc. Je sais, puis ça fait longtemps, là. Que ça me fait ça, genre, avec chaque affaire, je me mets sur les lèvres. C'est moins pire avec mon Clarins, par exemple. Mais zéro rapport. Coucou, bonjour. Je commence à vous parler de mon cover girl qui me fait des lignes. Je fais pas d'allure. Première fois, vous me voyez le visage ce matin et je suis en train de vous raconter une histoire qui fait pas d'allure. Premièrement, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, donc chez nous c'est dimanche, il est 2h. Dimanche après-midi, je viens de finir mon lunch, mais c'est ça que j'allais faire avant de vous parler et j'ai oublié. Mais c'est pas grave, je vais le faire tantôt. Je me suis préparé une petite assiette genre de crudité pour demain. Donc des petits concombres, carottes, sauce, fromage. Puis je vais m'apporter une petite boîte genre de thon là, avec les petits craquelins puis la petite boîte. Avec un yogourt, une pomme, ça va être parfait. Sinon, les plans, je vous ai comme montré des petits clips de ce que j'ai fait aujourd'hui, mon petit matin. Mais j'étais comme, je savais pas si j'allais vous parler de vive voix. J'étais comme, peut-être je vais vous montrer des petits clips et tout et tout. Mais là, mon petit moment, ok.
elle m'a fait réaliser que je devais vous parler. J'ai des choses à vous dire. Mais sérieux, non, c'est juste en cause que j'ai fait une story, puis j'ai tellement de messages, genre, comme qui, par rapport à cette story-là, que j'étais comme, je n'ai pas le choix d'en parler dans les vlogs de mes amis. Dans mes vlogs avec mes amis, ça je voulais dire. Mais pour vrai, je me regarde, puis j'ai comme des belles babines, c'est comme une belle couleur. Ben, tu te lèves pour aller souper quelque part, on dirait. Ouh, trop plaisant. Mais pour vrai, j'ai deux choses à parler. Deux sujets qui me touchent profondément. Non, c'est juste ces deux sujets qui comme... Ben, qui me tient à cœur, genre, je pourrais dire. Mon premier... Là, je parle comme si que comme genre, écoutez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ça, genre, autant professionnel, solennel, comme si on vous donnait une morale. Non, c'est pas rapport, là, c'est juste... J'ai commencé à vlogger sans me dire dans ma tête que j'allais vlogger. Je sais pas si c'est clair, mais comme... Des fois, je suis comme, OK, là, je vais vlogger, là, je vais faire ça. Mais là, j'ai ouvert la caméra, puis on dirait que j'étais toute bloquée, là, je savais pas. Je suis comme... Je me suis pris moi-même au dépourvu. Mais bon, ouais, c'est juste en cause que tantôt, il fait tellement beau, là, puis là, j'étais comme, regarde, je suis à la maison, Francis travaille... Qu'est-ce que ça me tente de faire? T'sais, hier, j'ai resté toute la journée à la maison. J'étais comme, ça me tente pas de rester encore toute la journée. J'étais comme, j'ai trop envie d'aller au quai. So, je suis allée au quai. Puis vous savez à quel point, moi, je vous dis tout le temps, t'sais, self-care. C'est vous méritez, genre, de vous faire des petits moments, c'est plaisant. Que ça soit un petit café ou un livre ou un n'importe quoi. Là, ça peut être une marche, ça peut être, t'sais, quelque chose qui vous rend heureux, t'sais, que... Pour avoir une grosse semaine, t'sais, vous permettre de vous faire un petit moment comme ça. Puis, vous savez là, comment je dis ça. Mais, puis, vous savez aussi que c'est quelque chose que j'aime faire régulièrement. Tu sais, moi, là, à l'auberge, ou aller me chercher des sushis, manger ça sur une table de pique-nique quelque part, tout ça, tu sais. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Puis, je sais, par exemple, que c'est triste, genre, c'est malheureux. Il y en a qui a de la difficulté avec ça, que ça soit par la gêne, que ça soit par, t'sais, quelqu'un qui fait trop d'anxiété. Tu sais, j'ai eu plein de messages, puis, tu sais, c'est touchant, tu sais, de vous lire. Mais comme, moi, je suis comme, go, girl, t'es capable, tu sais, comme... Je me dis, c'est tellement dommage que, comme, genre, les gens s'arrêtent, puis comme, je vous invite vraiment à le faire, puis, tu sais, peut-être une petite visite, comme une petite, comme... Que ça soit pour aller peut-être genre le chercher en take-out. T'sais, là en premier, tu vas chercher en take-out. Là, tu t'assis genre juste un petit peu. T'sais, comme juste un peu, que ça soit juste un petit café, t'sais, une place que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Comme, je vous invite vraiment à le faire. C'est un beau cheminement, je trouve, parce que comme la vie va tellement vite. Genre, moi, mon bébé travaille tous les jours, travaille 7 jours sur 7. Si je l'attendais à tous les jours, à toutes les fins de semaine, genre, je ferais rien. Comme il essaie vraiment, tu sais, de faire du prendre du temps pour moi, puis tu sais, là en fin de semaine on va en Gaspésie, on va c'est ça, au resto à mon ami. Donc tu sais, là il prend du temps pour moi. On est allé à Moncton pour le pétro, tu sais, il a pris du temps pour moi. Je sais qu'il fait des gros efforts, mais tu sais, je veux dire, tu sais, moi la fin de semaine je fais rien, je suis à la maison. Puis tu sais, lui c'est là que c'est plus occupé. C'est comme, pourquoi je resterais ici, tu sais, comme, oh, c'est bien, moi je fais rien. Non, t'as envie d'aller à quelque part, vas-y girl, t'es capable. Je vais aller chercher Molly, puis je vous repars. Molly avait rentré en face serrée. Je laisse un peu la porte comme fermée, mais pas clenchée. Puis là, après, quand elle a fini de faire ses choses dehors, elle rentre. Donc là, je sais que c'est le temps de rentrer. Mais pour vrai, c'est ça. Comme tu sais, aujourd'hui, il faisait tellement beau. J'étais comme, hey, je vais aller au quai. Je vais me prendre une petite sangria, des tacos aux crevettes. Je veux vivre la vie. Comme, I was living my best life. Tu sais, j'avais pas de babe, j'avais pas d'amis, j'avais pas personne de famille. Tu sais, comme, j'adore être avec mes amis. J'adore. Tu sais, comme là, puis ma cousine était comme, ah, tu me diras la prochaine fois. Et ben, tu sais, on dirait, j'ai comme pas pensé demander, petite cocotte. Ben, comme, je suis certaine que j'aurais vraiment eu un beau dîner avec elle, mais tu sais, j'ai eu un beau petit moment avec moi, puis comme je suis contente, puis tu sais, il y a une madame qui m'a demandé, elle était comme, ah, elle dit, qui c'est ici? J'étais comme, ah, je suis toute seule. Elle dit, ah, t'es toute seule ici? Je dis, ben oui. Elle dit, ben là, tu fais comme pitcher? J'étais comme, ben non, j'ai dit, je prends du temps pour moi. Elle dit, ah, oh. Elle dit, tu fais ben.
sont comme... Je sais pas. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt en DM sur Insta. Elle était comme, moi, mon homme, il aime pas la crème glacée. Elle dit, tu t'es en train de l'étonner pour aller à la crème glacée, puis il veut jamais venir avec moi. Elle dit, je vais pas broyer tout l'été que j'ai pas eu ma crème glacée. Elle dit, quand je vais avoir ma crème glacée, j'y vais. Elle dit, des fois, je rentre, puis elle dit, des fois, elle dit, je reste là, puis je la mange, là. Elle dit, ben garde, tant mieux. Ça peut être n'importe quoi, là, tu sais. Donc, puis tu sais, là, je parle de mon bébé, ma famille, mes amis. Tu sais, mais tu sais, je pense à quelqu'un qui a juste pas de personne comme un. Tu sais, que ce soit qu'il n'y a pas un gros sac d'amis, ou peut-être que ce soit que cette personne-là n'a pas de copain-copine. Tu sais, ça se peut, là. Tu sais, exemple, dans une autre vie, là, si j'avais pas mon bébé puis que j'aurais personne, ben. Et moi, j'adore essayer les restos, j'adore, tu sais, comme. Essayer des nouveaux endroits, comme. Tu sais, ma vie serait peut-être plate, là, si je ferais rien parce que j'aurais peur de faire quelque chose, puis. C'est surtout, plus qu'on vieillit, je trouve, c'est normal que comme nos peurs puissent comme être plus intenses. Comme exemple, moi, j'ai jamais fait de la planche à neige. Là. Ben, à 25 ans, commencé, moi, je pense que j'ai pas mal plus peur que quelqu'un qui en a 6 qui commence. Tu sais, on dirait, puis plus qu'on vieillit, on pense à ce que les gens pensent. Comme qu'est-ce qu'on cache, genre, qu'est-ce que l'autre pense à côté, là. Tu sais, moi, j'étais là avec ma sangria, là. Quand même que l'autre, le petit monsieur qui pense comme, oh, elle a pas de chum, hein. Ah, elle n'a pas d'amis, hein? Je capte pas. Puis même s'il pense pas ça ou il pense ça, regarde, c'est ça. C'est pour lui. Mais moi, j'ai enjoyé mes tacos. Genre, mes tacos, ça n'avait aucun sens. C'est genre comme 15 sur 10. Comme c'était trop noum. Genre, tout était noum. J'aurais mangé genre 20 tacos tellement c'était bon. Mm. Mais sinon, c'est ça, ma petite parenthèse, self-care, moment pour toi, puis, tu sais, te faire des petits moments, genre, te le créer, tu sais, des fois, je dis ça aussi sur Insta, tu sais, si t'attends que le bonheur arrive à toi, ben genre, il arrivera pas peut-être, là, tu sais, comme créer tes petits moments, créer ton petit bonheur, donc, c'est ça, petit, bon, petite pensée du jour, puis une autre chose que je pensais aussi, puis là, tu sais, là, ça m'a fait penser à ça parce que c'est un nouveau resto, tu sais, resto cantine, c'est une nouvelle place dans la région, c'est genre le plus bel atout que le quai aurait pu avoir, genre moi j'étais là, je bois ma sangria, je me fermais les yeux, j'entendais genre les oiseaux, ça sentait le quai, ça sentait la mer, il y avait les bateaux d'eau mort qui arrivaient, genre, ça peut pas être une plus belle place que ça, là. J'étais comme, je bois une sangria au quai. Tu sais, d'avance que le quai, c'est genre mon endroit préféré. Tu sais, comment de fois que j'étais faire des tests de drink là-bas. Comment de fois je suis allée juste lire. Comment de fois, genre, je suis juste là pour relaxer. Tu sais, après l'école, je vois un petit 5-10 minutes là. Tu sais, ma mère va tout le temps là chaque jour. On dirait que c'est juste quelque chose que j'ai fait, genre, toute ma vie là. Donc, oh my god, quelqu'un qui a une côte décapotable. Je pleure. On lance ça dans l'univers. On lance des belles choses. Un jour, je vais avoir ma coccyx. Mais sinon, zéro rapport. J'étais assise là, là, puis j'avais amoché la lampe ici. J'étais comme, j'en reviens pas. Genre, je pense pas que je vais en revenir de l'été au complet. Qu'on a un bel endroit comme ça dans ma région. Puis, ce qui me fait penser à ça, c'est que moi, j'étais tellement reconnaissante. Je mangeais du manger noum. Puis là, j'étais comme, oh my god, oh my god, oh my god. Puis là, j'avais l'arrière-pensée de comme... Tu sais, les réseaux, puis genre les gens, tu sais, des fois les gens, ils pensent peut-être pas avant de parler, puis moi j'ai de la misère avec ça, j'ai tellement de misère. C'est pas la première fois que je vous dis ça, mais comme ma mère, elle a eu une cantine, j'ai tout le temps, tu sais, j'ai été élevée dans son magasin, puis dans la cantine après, on avait une vidéo, puis elle a tout le temps eu des entreprises, puis Francis c'est une entreprise, puis je les vois tellement travailler fort. Que comme quand les gens se prennent genre à eux, comme quand les gens se prenaient genre à ma mère, tu sais, comme des petits commentaires, comme moi ça me touchait tellement, genre j'en braillais le soir, comme c'est pas une joke, comme des fois les gens peuvent être méchants, comme il y a toujours une façon de dire les choses. Puis moi j'ai tout le temps, moi dans ma tête là, c'est genre comme, si t'as quelque chose à régler, règle un post Facebook, genre, réglez, genre, t'envoies un message, t'envoies, tu vas parler, tu sais, au propriétaire.
Tu sais, là, je pense à là parce que peut-être des gens dans la région ont vu certaines choses, mais tu sais, c'est un nouvel endroit, faut leur donner une chance. Tu sais, c'est certain que tout n'a pas besoin d'être parfait dans la première semaine, tu sais, il faut lui laisser une chance. Puis que ça soit là, là, je parle de là parce que, tu sais, c'est nouveau, puis on a vu des petites affaires, comme sur les réseaux. Mais ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être n'importe quel resto. Ça peut être un resto que ça fait 25 ans qu'il est ouvert. Le resto que ça fait 25 ans qu'il est ouvert, il a le droit d'avoir des mauvaises journées, puis il a le droit d'avoir des erreurs, puis, tu sais, il y a des choses qui arrivent, là, tu sais, comme... So, moi, je sais que c'est facile, tu sais, le Facebook, il est là. Genre, le Instagram, il est là, comme... Puis je comprends qu'on est en 2022, puis tu sais, qu'il est comme... Tout... Le monde veut que ça va vite, le monde veut que ça roule, le monde veut tout de suite, le monde veut pas payer. Mais la vie coûte tellement cher, genre, qu'on... So, comme, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la grosse misère, comme, quand je vois des messages comme ça, de peu importe l'endroit, là, sur les réseaux, et je me... Genre, je me vire la langue, comme, mille fois, je me... Comme, genre, je me tiens les mains de main pour rien écrire. Parce que ça donne rien alimenter ça, mais là, tu sais, j'ai mes petits vlogs, j'ai comme... On dirait que je me donne le droit, je me donne la chance, genre, de dire mes petits messages, puis si jamais ça peut juste changer, genre, l'opinion d'une personne, ben tant mieux. Genre, si t'as quelque chose à dire, puis tu sais, là, je parle des restaurants, je parle des restos, mais ça peut être dans toutes les sphères, là. Tu sais, genre, la personne, là, qui publie une photo sur Instagram, t'es-tu obligé de dire, genre, qu'elle a pas un beau corps ou elle a pas des beaux chandails, comme... J'ai vu des commentaires cette semaine, genre, exemple, Fleur Maison, elle a comme tourné ça en joke, tant mieux pour elle, mais tu sais, il y a des gens qui auraient pu vraiment plus affecter que ça, là, tu sais, comme... Tu sais, j'ai pas besoin de parler des commentaires que la personne a écrit sur son compte, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, les gens, avant d'écrire quelque chose de méchant ou comme... Tu sais, oui, un restaurant, il peut avoir des commentaires constructifs, mais comme, c'est souvent constructif, mais il y a une façon de le dire. Il y a une façon, c'est-tu nécessaire, genre, d'écrire ça comme sur Facebook, que tout le monde peut en parler, puis là, que ça fait effet boule de neige, comme... Entre nous autres, chez nous, tu sais, ça aurait pu régler ben des problèmes, puis moi, j'aurais pu arrêter de pleurer, soit. Moi, tu sais, ça pouvait juste être une petite affaire qui disait à maman, puis moi, là, ça me plantait droit au cœur, tu sais. Puis c'est la même chose avec Francis, quand il y a des choses, des fois, je suis comme... Je le vois, là, travailler 7 jours sur 7, tout le temps, tu sais, à l'année longue, travaille assez fort, il aime ce qu'il fait. Puis sa famille, c'est la même chose, tu sais, son père, sa mère, sa soeur, tout le monde est là, tout le monde travaille au bout du bout, comme... Venez pas dire quelque chose de méchant, ça me... Oh, ça me provoque en dedans, puis en tout cas. So, l'essentiel du message, c'est juste de, comme... Tu sais, si t'as quelque chose à dire, oui, je comprends, il y a des façons, mais en message privé ou en personne, tu sais, comme... T'as pas besoin de mettre ça partout, tout de suite, comme, pour faire, comme, une grosse affaire. Je sais pas à quel point ce message-là était pertinent, ou peut-être que, comme, je pense que je m'avais compris, là. C'est juste que je le dis à chaque fois, j'ai déjà parlé de ça une couple de fois, mais moi, c'est, ça me pong direct, là, quand je suis comme, ah! Puis même si je connais pas les personnes, vu que j'ai déjà vu ça, je comprends ce que les personnes peuvent... Comme, tu mets tellement d'énergie dans quelque chose que comme, pis là, les gens, comme, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, comme, tu veux plaire à tout le monde, là, tu sais, c'est normal, mais tu sais, tu pourras jamais plaire à tout le monde, ça arrivera jamais, mais, tu sais, il y a des façons, genre, de faire pour, comme, régler une situation. Mais bon, peace and love, tout est beau, mais juste avant de mettre quelque chose quelque part, commentaires, photos, tu sais, pensez-y deux fois. Genre, ce que je mets là, ça pourrait-tu, genre, faire de la peine? Ou, inverse, si on pense comme ça que je vais écrire, le commentaire que je vais mettre, genre, le... Tu sais, des fois, c'est même pas un commentaire, c'est même pas une solution, tu sais, comme un... Comment tu dis ça? Une critique constructive. Des fois, c'est juste comme, c'est juste un fait qu'ils écrivent, OK? Ça me dit au rapport. Mais comme si... J'essaie de me mettre dans la personne comme si tu parlerais de comme quelqu'un dans ta famille. Est-ce que tu pourrais genre l'écrire? Comme, est-ce que tu pourrais lui dire ça? Est-ce que ça lui te ferait peut-être de la peine? Est-ce que ça lui ferait peut-être de la peine? C'est comme genre, essayez de vous mettre genre comme dans la peau des autres, comme dans la peau de comme
Tu sais, si tu vois cette publication-là, exemple, puis tu sais que comme ce restaurant-là ou ce magasin-là, genre, c'est à ton parent ou à ta marraine ou à ta mère, ça te ferait-tu de la peine? Ça te ferait-tu quelque chose? Si oui, genre, don't do it. Sinon, ben, don't do it non plus, mais comme, tu sais. Dans le fond, c'est ça. Pour une fille qui voulait pas vous parler en tout, je vous ai parlé pendant 15 minutes déjà. Je voulais vous faire un petit weekly vlog, mais clairement pas. Je parle trop. Mais c'est comme ça que je viens. Donc, c'est ça. Morale de mon début de vlog. Prenez du temps pour vous. Essayez de sortir de votre zone de confort. Et faites attention à certaines actions que peut-être vous pouvez faire ou que vous allez peut-être faire à un moment donné. T'sais, c'est facile d'écrire quelque chose, mais il y a tout le temps quelqu'un en arrière. T'sais, il y a tout le temps quelqu'un. C'est facile là, se cacher derrière un clavier, mais comme la personne là, qui reçoit ça, c'est pas toujours évident. Mais bon. Moi, je suis qui pour parler. Je parle de qu'est-ce que j'ai vu genre, avant. Mais t'sais, en tout cas, ça se peut que ces personnes-là concernées, ça leur dérange pas en tout, mais ça me surprendrait. T'sais, quand tu travailles fort pour quelque chose, c'est... Tu veux le bien pour cette entreprise-là, là, tu sais. Donc, big love. Sujet clos. Sinon, moi, je vais aller continuer mes lavages. Je vais aller en starter un autre. Je vais aller en plier un. C'est dimanche, comme un petit reset day. Sinon, ce soir, je vais voir Beau Jess. Comme je vous avais dit dans mon dernier vlog, je crois, avec ma mamie. Puis, on va aller souper rapido presto au McDo. Donc, McDo, danse. Donc, je pense pas vraiment que je vais vous montrer beaucoup de bout, vous parler ce soir. Je vais pas filmer la danse en temps. Mais ça va faire du bien de voir des belles danses, des beaux groupes danser. Moi, la danse, ça m'excite assez. Genre, comme. Même si c'est pas moi qui danse, on dirait que je suis comme excitée pour eux. Tu sais, le stress de comme. De maquiller, d'être belle, tu sais, des cheveux, tu sais, de licher. Le stress de comme avant-spectacle. C'est genre quand on avait comme 12 costumes, pis t'es comme, mais il faut que je me rappelle de mes 12 danses, pis en tout cas. Mais c'est ça, on se parlera plus tard. Sinon, demain, ben, tu sais, je pourrais pas vraiment vous vlogger non plus, parce que ça va être l'école, pis après, je vais apporter ma robe. On a trouvé une couturière à Tracadie, donc je vais aller de nouveau dans la péninsule avec ma mamie faire un petit aller-retour, mais c'est ça. Donc, je suis contente de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon dernier vlog. Je commence à avoir des petits commentaires. Et là, vous me laissez des commentaires que vous voulez que Francis me fait peur, mes petites neurones. Donc, on se parle plus tard! Je pense pas, vous comprenez, je suis en train de vivre un moment. On est à Tracadie, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit sur Instagram, 2-3 personnes, qu'il y avait la poutine au poulet Buffalo. Mais genre, je croyais pas ça en direct. Parce qu'il y en a pas à la maison. T'as-tu déjà goûté ça, maman? Une fois. Longtemps. Parce qu'il avait eu un été à la maison. Oui, ben, oh my God. Je l'ai même pris, je pense, une fois à Québec. Oui, parce qu'ils l'ont, eux autres. Oui. On a aussi arrêté au Yomi. On a été voir la petite madame. La petite madame qu'on va voir pour ma robe, elle est trop mignonne. Trop cute. Elle est cute au bout. Elle est vraiment mignonne. On a tout pris mes mesures. Puis tout, puis tout. Puis on va manger une poutine au poulet. J'ai vu le rêve. Mmh. C'est bon. Je vais prendre une tisane aux fruits. Je te montre pas. C'est ça, elle adore être dans les vlogs. Sa passion. Thank you.
Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain de mon petit clip de Poutine Buffalo. Je vivais le rêve. La seule différence, il n'y avait pas les petits oignons verts, mais genre, c'est juste pour faire fancy. C'était trop noir. Puis genre, il y a tous les ingrédients à nude McDo, so, je sais pas vraiment c'est quoi le problème. Mais c'est des choses qui arrivent. Sinon, c'est ça, il est 4h30, je viens d'arriver de l'école, j'avais été ensuite après l'école faire des commissions. Je voulais aller au Staples pour imprimer nos invitations. Par là, je les ai toutes faites, puis toutes sont toutes belles, genre je capote, genre je les adore. J'ai fait genre comme, il y a comme trois, genre il y a comme trois feuilles, une par-dessus l'autre, comme une plus grande, une moyenne, une plus petite. Puis là, ça fait comme beau, genre, je trouve. Mais je pensais pas que ça allait être un problème. Mais là, ça a l'air, c'est comme un... ça a l'air, c'est du stir, genre, imprimer ça. Moi, dans ma tête, c'est genre... je sais pas, c'est comme une image, on l'imprime. Mais là, ça a l'air, c'est pas ça. Puis là, ben, ça a l'air... là, moi, genre, la petite madame était vraiment fine. C'est juste, je sais pas vraiment, ça m'a pas vraiment aidé. C'est juste que sur le site du Staples, ça a l'air, on peut les faire... comme imprimé, puis là, comme ça arriverait, puis comme j'aurais comme des enveloppes, puis tout. Mais comme j'ai pas besoin des enveloppes, mais ça serait déjà tout coupé pour moi. Mais il y avait juste des 5 par 7. Mais comme j'ai besoin de 5 par 7, mais j'ai besoin d'autres petites aussi, genre comme des formats save the date, un peu, la madame a dit. Puis là, je voulais la faire avec la madame. Mais mon format marchait pas. Là, ça, là, j'ai choisi des grandeurs non standards. Donc, je sais pas comment je vais me gérer, mais je vais essayer de trouver une solution. J'aime pas ça quand mes affaires marchent pas pis que c'est pas cet été là. Moi dans ma tête, mes invitations étaient terminées ce soir pis comme j'allais les avoir bientôt pis j'aurais commencé à écrire mes petites adresses pis tout pis tout. Je sais pas si vous m'entendez genre, c'est le déluge dehors. Je sais pas comment va votre morale, mais comme j'essaie vraiment de me booster, mais c'est difficile. Genre, tout le monde à l'école, c'est comme, oh, c'est plate, pis là, les élèves, pis si vous êtes dans le milieu scolaire, là, pis quand les amis restent en dedans pendant 3 périodes, ça fait 2 jours, c'est quelque chose. Donc, demain, il va faire beau, j'ai hâte. Mais non, pour vrai, c'est juste que, je sais pas, on a une journée de soleil, pis on a 6 de pluie, je sais pas, c'est comme, mais, faut rester positif, ça pourrait être pire. Je me suis fait un chai pour me pépé un peu. Donc un bon chai. En plus, je suis arrivée à la maison. Ma petite mamie était pas supposée venir. Puis elle est venue. Genre, ça sent trop noir. Je pleurais quand j'ai rentré dans l'eau. Et là, vu qu'il y avait une autre journée de pluie. Qui dit journée de pluie, dit petite journée. Genre, en pyjama, couverture, écouter un film. Hier, on a écouté Labor Day. J'avais jamais écouté ça. C'est genre un homme qui s'échappe de prison, puis qu'il voit une femme, son enfant au dépanneur. Puis là, je peux pas dire parce que je vais dévoiler les punchs. Moi, je dévoile toujours les punchs. Mais c'était vraiment bon. Puis j'ai pleuré à la fin. Moi, je pleure tout le temps. Donc, je me suis dit, si jamais on se fait une autre petite soirée cinéma, mais là, je fais les goûter avant. Parce que je voulais faire un taste test avec vous. Vous les avez sûrement vu passer. Mais c'est genre les affaires comme des nouveaux chips. Comme à saveur, comme combinaison, comme mélangé. Puis ma mère a dit que ceux-là, cornichons, étaient vraiment bons. Donc j'ai acheté 2. Il y en avait juste 2. Puis je pense qu'il y en a 3. Il y a un là avec du fromage jaune. Puis autre chose, me semble. En tout cas. Donc, j'ai pris les Lays comme ça. C'est au cornichon. Donc, c'est censé goûter les chips au cornichon Lays. Je les aime beaucoup. Ah, j'ai presque plus de batterie. C'est sûr que tu me niaises, petite caméra. Et au fromage comme ça. Moi, j'adore les smart food comme ça. Ma mère a dit que ça aurait pu être un petit peu plus fromager. On va voir. Donc, ça. Puis l'autre qu'il y avait, c'est les barbecues. Allô, Anne, tu vas te reconnaître. Je suis une de mes amies. Je pense que c'est son chip préféré depuis qu'on a 5 ans. Je pense à tout le temps rester son préféré. Tu vas te reconnaître. Bonjour, bonjour. Mélangé avec les Doritos noirs. Ça, c'est mes préférés. Je capote.
Donc, je pense que je vais commencer avec ça parce que ça, c'est fort. Peut-être que ça va comme couper le goût un petit peu. Là. Mais dill et fromage, c'est sûr que ça va être nul. Ça va probablement goûter les nouveaux Smart Pop, mais au dill. Probablement ça. Mais version popcorn. J'adore. Ça goûte la même chose que les popcorn. Mais ça goûte plus le dill pickle. C'est vraiment bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un dill pickle d'ailleurs. J'ai pas trop en manger, je vais nous en garder, mais... C'est vrai que ça aurait été encore plus bon. Avec un peu plus de fromage, ça aurait été comme plus creamy. Très nom quand même. Et barbecue Doritos. Moi, les Doritos noirs, là, ils ont une grosse place dans mon cœur. Celui-là, je suis moins sûre hein, du duo. Je comprends le mini goût de barbecue, mais on le ressent pas beaucoup. On a plus le kick du Doritos qui vient en arrière. Il vient te kicker dans les joues, là. Très bon. Plus subtil. Pour le mélange de saveurs des deux combinaisons, celui-là gagne. Mais, si vous trouvez que les Doritos noirs sont trop forts, mais que vous aimez les piquants, ceci est la solution pour vous. C'est juste léger. J'adore. Donc, un bon 9 sur 10. Peugeot, je donnerais comme un 8. 8. Ça veut dire 7.5-8. Tu sais, c'est pas genre comme oh my god, genre révolutionnaire. Celui-ci, tu peux comme voir que les deux saveurs sont comme ensemble. Donc, ceci était ma petite capsule chip. Moi, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? J'allais vous dire que je vais aller plier un lavage. Mais non, il n'y en a pas. Je vais aller essayer. Une petite robe. Je viens de recevoir ma dernière petite robe. Une petite robe? Deux petites robes, je crois. J'ai commandé deux petites robes pour. Il me manquait genre comme un événement pour le Bachelorette. Et on voulait aller comme extra. Donc, je pense que ça va être la robe idéale. On verra. Parce que mes amis se sont échappés sur une activité qu'on allait faire. Je vous le dirai pas. Ça sera une surprise. Mais, genre, il faudrait que j'aille comme un outfit comme dans Selling Sunset. Et à un moment donné, dans Selling Sunset, ils vont à un dîner ou genre un brunch. Puis, ils sont comme habillés de cette façon-là. Ça me prendrait leur outfit. Mais j'ai essayé de faire ça version mine, version mon budget, version je vends pas des maisons à 1 million. Tu sais, on s'entend? Donc j'ai encore commandé sur InDestyle et surprise aujourd'hui, je n'ai pas eu de douane. Mais genre, je capote sur ce site-là. Là. Comme là, mes robes étaient tellement pas chères. J'ai pogné une robe. Elle se vend à genre 150. Là, elle est en spécial à 60. Puis là, je l'ai eu en spécial à 35. Ça n'a aucun sens. C'est tellement de la bonne qualité, là, genre c'est épais. In the style. Mais faites attention, c'est ça. Il y a peut-être des douanes des fois. Genre moi, à ma première commande, j'ai eu des gros douanes. Mon amie, elle a fait une grosse commande, pas eu de douane. Là, j'ai eu une commande normale, pas de douane. Donc, c'était juste... ça dépend du monde, j'imagine. Donc, c'est ça. Je suis allée essayer mes petites choses. Je vous montrerai pas. Petite surprise. Je ferai probablement une vidéo genre ce que j'amène dans ma valise ou comme des petits sneak peeks. Là. Je veux pas trop vous montrer non plus. Ben, si je la montre, si je la sors après, vous allez devoir anyway sur Instagram. So. En tout cas, on va avoir ben de fun, ben des photos, ben des vidéos, ben des outfits. Pou, pou, pou. J'ai tellement hâte. Donc, on se parle plus tard. Je pense que je vais conclure le vlog aujourd'hui. Là, je pense qu'il commence à être assez long. Là.
C'est ça, je vais vous montrer. Ben c'est ça, on se prend juste plus tard peut-être pour vous dire un petit bye. Mais sinon les plans ce soir, ça va être spaghetti. Mon bébé va être énervé. Donc spaghetti. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Spaghetti, ensuite probablement un film cosy, bien tranquille. Donc ouais. Je vais aller faire des petites choses un petit peu pour l'école. Pas grand chose. Je vais juste aller imprimer une petite feuille. Et ça va pas mal être ça. Ben tranquillos. Donc on se parle tantôt. Ok, c'est dancing moment. Mais Lizzo, genre, y'a rien qui comme change plus le mood que Lizzo. Bam, bam, bam. Ok. Sur ce, je voulais vous dire un petit au revoir. Je suis en train de faire le montage. Puis ça commence aussi à être long. Puis j'aurais pu vous faire une petite routine, vous montrer mes petits produits. Parce que je m'en vais me laver. Mais ça va durer 55 minutes comme d'habitude. Donc je vais me calmer. On se reverra dans un prochain vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Mon petit dimanche. On dirait que je me souvenais plus qu'est-ce que j'avais dit. Mais je voulais, c'est ça, me faire part de mes deux petits messages de dimanche, messages, paroles, des fois, ça me vient comme ça. Mais sinon, ça sera ça pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un bon milieu de semaine si vous écoutez ça en ce mercredi. Là, c'est mon mardi, mais là, je vais le mettre mercredi. Donc, si jamais vous écoutez ça aujourd'hui, mercredi, bon milieu de semaine. Quand vous écoutez ça, peut-être, si c'est genre comme après 3 heures, je devrais être en train de magasiner le Tux à Francis. Non, on n'a pas fait ça encore. Non, je suis un peu stressée. Juste parce que comme tout, j'ai de la misère à rentrer, puis les commandes, puis tout ça, je me demande si on va avoir le temps. Parce que moi, je ne veux pas que Francis ait un soute noir. Si c'est noir, ça ne me tente pas. Dernier recours, ça sera noir, là, mais en tout cas, dans mon petit cœur à moi, je veux pas que c'est noir. Donc, on verra demain qu'est-ce que le monsieur va nous dire, mais c'est ça, on devrait aller là. On devrait aussi aller après acheter nos wedding bands, genre ma petite bague, puis la bague à Francis. Puis, ça sera ça, ça va être dans le prochain wedding update. Puis le prochain wedding update vous devriez le voir probablement au courant de la semaine. J'essaierai de faire le montage avant qu'on parte en Gaspésie. Donc probablement qu'il n'y aura pas un vlog régulier avant. Ben, il va y avoir celui de mariage, mais c'est ça. Donc ça va probablement être le dernier avant la Gaspésie. Donc le prochain vlog, ça sera sûrement une petite trip en Winnebago. Le père Francis nous... près de le Winnebago, trop excité. Et on va aller avec Molly, donc ça va être la première genre long drive avec Molly. Parce qu'on veut aller à Chandler, puis Chandler c'est genre un bon 3h30 d'ici là environ. 3h, ouais, pas mal ça là. Mais, tu sais, on est tout près de Bonaventure, Carleton, mais tu sais, Chandler c'est comme plus loin là. Peut-être se rendre à Percé parce qu'on est là, genre, on était supposé juste rester une journée. Finalement, on va être là vendredi, samedi. Donc, initialement, on va là pour aller manger au resto à une de mes amies. Donc, c'est le restaurant Attablé. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais je vous montrais des vidéos, là, quand on va aller. C'est insane. Puis, il y avait un contrat de 5 ans, là. C'est son amoureux qui est le chef. Puis elle a l'aide depuis ce temps-là, puis elle est tellement bonne, c'est elle qui fait les dessins, c'est elle qui sert, puis elle est assez cute, elle se met sa petite main, puis là, elle nous sert. Tu sais, c'est vraiment genre un resto gastronomique, là. C'est vraiment wow, c'est vraiment nous. Puis on est allé les deux premières années, après là, les deux années après, sur la 3 puis la 4e année, ben, c'était le COVID. Puis là, c'est la dernière, puis 5e année. Donc, c'est certain qu'on voulait aller. Puis, annonce la pluie, par exemple, encore une fois, on va espérer. Mettons camping, serait le fun, faire un petit feu, puis tout, puis tout. Puis, je me croise les doigts pour que ça va bien avec Molly. On verra. Mais, c'est ça. Donc, je vais vous apporter avec nous, c'est certain.
t'amènerai la petite caméra. Et puis je pense que ça va juste nous faire du bien. Puis vu qu'il va pleuvoir, probablement, tu sais, ça sera pas les grosses activités du monde. Mais tu sais, je vais nous apporter des jeux de société, probablement un paquet de cartes. Puis juste relaxer là, dans le Winnebago, ça va nous faire du bien. J'aimerais aller dans des petits cafés, des petites micros, brasseries. Donc il y a plein de belles choses à faire en Gaspésie. Donc j'ai bien hâte. Puis moi j'aime comme aller genre la petite route. Puis tu sais c'est comme par ici là, c'est sur le bord de l'eau. Puis on dirait qu'on arrête un petit peu, on arrête d'un village, on arrête dans l'eau. Tu sais c'est comme plaisant. Donc on va faire ça. Puis on va pas apporter de vélo puis tout ça. Tu sais il y a des belles routes là-bas, mais tu sais ça vaut rien parce que non c'est pas assez beau. Mais ça va être plaisant quand même, un une petite fin de semaine relax. Donc, sur ce, je vous laisse, puis j'ai hâte de vous apporter avec nous, puis ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé, ben ça va faire 2 ans, donc c'est quand même le fun, puis ça fait longtemps que j'ai pas vu mon amie, donc j'ai hâte de la voir, et c'est ça. Donc là-dessus, je vous laisse un gros merci, je vous souhaite une belle semaine, de beaux petits jours restants, puis on se parle très bientôt, bye!